Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. En ce dimanche 15 décembre, et bien comme hier j'étais tête en l'air, et bien j'ai le 14 et le 15 à ouvrir au lieu du 15 uniquement, parce que hier j'étais dans mon défi belge, et ça y est les Belges ils m'ont rendu fou, j'en ai oublié mon numéro 14, je l'avais préparé dans un coin, et je ne l'ai jamais sorti en fait, tout simplement. Je l'avais même pas mis près de moi, parce que je l'aurais pu mis près de moi, j'y aurais pensé. Et du coup, il était sur un meuble, puis il y est resté sur ce meuble, il y est resté. Donc, ceux qui n'ont encore pas vu le défi ticket belge, ticket français, n'hésitez pas à aller voir. Là, il y a encore, on est toujours dans le même tempo. Ce superbe cash, magnifique, franchement, voilà, comme c'est des tickets que c'est rare qu'on gratte ici en France, c'est même voilà, plus que rare. Et bien, dans le même fonctionnement que celui à 5 de hier, et bien là, c'est 1 à 10. Donc, je l'ai confronté, j'ai hésité entre le bingo et le millionnaire, j'ai dit allez. On va prendre le millionnaire et en plus en ce 15, regardez, c'est le numéro 15. Donc celui-là, c'est une spéciale dédicace à mon frérot, DD70, le 15 pour ton anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, DD70. Joyeux anniversaire à toi. Donc voilà, c'est fait, c'est souhaité, ton anniversaire et ça, ça va être gagnant je pense. En plus c'est ton anniversaire, c'est le numéro 15, si ça c'est pas le destin. Et donc on va confronter le millionnaire à ce cash. Belge, donc on va d'abord gratter le cash, hein, honneur aux invités, ensuite le millionnaire, puis nous irons gratter ce 14, donc on va revenir dans le passé avec hier, et le 15 pour aujourd'hui. Voilà le programme les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end, je ne sais pas voilà, si vous êtes coincé avec les trains, etc. en ce moment, mais bon, on va commencer par le cash, mais j'espère que tout va pour le mieux pour tout le monde. Alors attendez, on va regarder tout ça. Alors, qu'est-ce que ça dit ce cash ? 1 sur... Oh, mieux que celui de hier. Hier, c'était 1 sur 3,69 ou 3,89. Et là, c'est 1 sur 3,29. Donc, c'est quasiment un ticket sur 3 qui est gagnant. Et on a quoi ? Ça part de 10 euros, 20 euros, 30, 40, 50. Ah, c'est marrant, on se fait 10, 20, 30, 40, 50, 100, 500, 1000, 5000. Ouais, s'il y a un 5000, Pierre, je peux te dire, Pierre, on fait moitié-moitié. Oui, je ne l'ai pas dit, puisque c'est Pierre qui m'a fourni les tickets. Mais s'il y a un gros lot dans les tickets belges, on fait moitié-moitié, c'est normal, c'est logique. 2 à 500 000, bon bah si ça peut être un d'entre eux, surtout que c'est sur 2 millions de tickets, donc on va dire que pour toucher les 500 000, je pense qu'il y a un peu plus de chance, entre guillemets, qu'avec les tickets français, il me semble. En tout cas, 3,29, 1 sur 3,29, c'est pas comme ça en France, ça c'est sûr. Donc sur un ticket à 10 euros et encore moins avec le millionnaire. Avec le millionnaire, c'est encore moins ça. 6 millions de tickets, c'est 1 sur 6, je crois. Ah non, peut-être pas 1 sur 6 quand même. 1 sur 5 quelque chose. 1 sur 5 quelque chose avec le millionnaire. Bon, allez, on y va. C'est parti, les amis. Hop, il y a les enfants qui font les fous là-bas. Donc soyez pas étonnés si des fois ça intervient. Donc il y a quoi ? Ils nous disent quoi là ? 150 000 lots. Ah d'accord, il y a 150 000 lots entre 30. Sur les 2 millions de tickets, il y a 150 000 lots qui sont gagnants entre 30 et 5 000 euros. Donc si on peut avoir l'un d'entre eux. Vous pouvez fermer la porte s'il vous plaît ? Merci. Alors, ok, 10, 20, 30, d'accord. Loterie nationale belge, oui, bah, c'est tout. Hein. Sinon c'est pareil, hein. Sauf que là il peut y avoir un x2, x3, x5 sur le bonus. Et puis, gratter les numéros gagnants. S'il y a un des 8 numéros découverts dans la zone, oh, c'est pareil, hein, sinon. Sur un des 24, d'accord. Allez, c'est parti, on y va, les amis. On y va, on va zoomer tout ça. En tout cas, il est magnifique le ticket. Il brille, donne envie d'acheter. Hein. C'est des malins. Ils sont malins, ces Belges. Ils sont malins. Alors, c'est parti, petite pièce de 10 euros. On y va. C'est parti. Ça fait mal aux yeux, cette brillance. Alors, on a du 37, du 18, du 30, puis ils sont marrants à gratter. Ça fait des paillettes, par contre, les résidus du grattage. Alors, 37, 18, 30, 6, 26, 27, 15. Tiens, il y a le 15 en plus, en ce 15. Hein. Donc, voilà. Donc, DD70, cette session est aussi spécialement dédicacée pour ton anniversaire. Donc, j'espère qu'il y aura du gain, il y a intérêt. Alors, 37, 18, 36, 26, 27, 15, 8. Ben, disons, il y en a. En même temps, à 10 euros. Alors, 9. Rien à signaler. 16. Rien à déclarer. Bah, tiens, en plus. Tu l'as déjà vu le film, Bernadette ? Rien à déclarer ? Police belge et police française, là, c'est ça ? Avec Poulvord ?
Poulvord et comment? Et Boone, oui, Danny Boone. Bah tiens, rien à déclarer, on va dire ça maintenant que je vais gratter des tickets belges. Je dis rien à déclarer si ça gagne pas. Toujours rien à déclarer, les amis. J'espère qu'il y aura beaucoup de gains dans les deux tickets. Comme ça. Le 7. Ah non, je l'ai pas. Ah, il est là. Le 20. Il n'y a rien à déclarer, les amis. 35. Toujours rien. Toujours rien. On a gagné au cash hein, hier. Je vous dis pas combien parce que ceux qui n'ont encore pas vu la vidéo. Au cash belge. Le 22, on l'a pas non plus. Le 22, on l'a pas non plus. 24. Ça brille. Regarde, je sais pas si vous voyez les paillettes sur mes doigts là. Ça fait des paillettes. Ma plaque Toflawin, elle va avoir plein de paillettes. Bon, en attendant, toujours rien à déclarer, les amis. On va pas être bredouille quand même sur cette session. Bon, avec toutes les deux papillotes à gratter, les deux bonbons de Bernadette plus ces tickets, je pense pas, j'espère pas même. Le 12. One. On n'a pas non plus le one. 11. 34. Donc normalement, à la fin de la session, je deviens aveugle, les amis. Ben vous n'avez pas un an, vous êtes de plus au-dessus, vous êtes un peu en hauteur, donc vous ne voyez pas. Moi, quand je regarde mon ticket, parce que là, quand je gratte pas, je regarde pas la vidéo, je regarde le ticket, ça m'éblouit, les amis, ça m'éblouit. Bon, ça change, hein. C'est pas tous les jours qu'on gratte des tickets belges, mais en tout cas, pour le moment, on est bredouille. Nous sommes bredouilles, rien à déclarer, là, les amis. 37, on l'a pas, 18, on l'a pas, 30, on l'a pas, 6, on l'a pas... 26, on l'a pas. 27, on l'a pas. 15 et 8, on l'a pas. Le 15, on aurait pu l'avoir, le 15. Allez, le 15. Et 17. Bon, bah, il est perdant. En tout cas, ça fait un joli ticket à garder dans la collection. Bon, j'aurais préféré qu'il soit gagnant et le renvoyer en Belgique pour encaisser l'argent. Mais voilà, c'est un ticket que Pierre, je te renverrai pas, celui-ci. On va le garder précieusement, il est vraiment joli. Mais voilà, j'aurais préféré qu'il y ait du gain quand même. Donc 0, on va voir si le millionnaire on fait mieux ou si on est bredouille sur les deux. Donc là peut-être que le ticket français va l'emporter. On va voir ça de suite les amis. Donc 0 sur ce magnifique cash à 10 euros qu'on n'a pas ici en France. On n'a pas de cash à 10 euros. Même en ligne, il n'y en a encore pas. Donc la Française des Jeux, si ça peut vous donner des idées, n'hésitez pas. Alors, ticket 15, on est le 15. Il peut être que gagnant, les amis. Allez. Allez, on veut du gain. On veut du gain. Donc là, on n'a rien pour le moment. On va aller sur le jeu 3. 23 à battre, 21 à battre et 29. Aïe. Compliqué. 24. Perdant. Est-ce que ça commence... Ah, c'est 20. J'allais dire est-ce que ça commence par un 2, mais on voit que c'est marqué 20. 20 grammes, donc c'est perdant. On va aller sur le jeu 2. Alors, 50, 20, 10 000, 150, 1000,
1 100 et 100 000. Donc là, c'est perdant aussi. Tu fais quoi, Malo? Va là-bas. Vous faites trop de bazar avec votre copain. Donc là, mes enfants ont un copain qui joue à la maison. C'est un petit peu plus bruyant que d'habitude. Alors, notre dernière chance de l'emporter, il nous faut un sac. Donc, sur le ticket belge, on avait une chance sur 3, 29 de gagner. On n'a pas gagné. Alors là, une chance sur 5, quelque chose aussi. C'est... Autant vous dire que... Mais bon, faut espérer. Allez. Allez. Et non, c'est une montre. C'est une montre, les amis. Donc, le ticket est bien perdant. Match nul entre ce ticket français et ce ticket belge qui en vaut le même prix. Match nul, mais voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et surtout, si vous trouvez le ticket cash, bah surtout les filles, à mon avis, les femmes, elles vont le trouver super beau, hein, rose, comme ça, brillant. J'arrête que moi, je le trouve beau. Alors, imaginez-vous. Donc, c'est sympa. Bon, après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Il y en a qui peuvent le trouver très laid. Mais il brille et tout. Il est vraiment magnifique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, désolé, il n'y a aucun gain sur aucun des deux tickets. Donc, voilà, on va voir dans les papillotes si on serait un peu plus gâté par Bernadette. On va le voir de suite, les amis. 0-0, match nul entre la France et la Belgique. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce numéro 14? C'est quoi? Ah, j'ai senti encore un ticket. Bon, là, on n'a plus rien, les amis. C'est vide. C'est vide. Donc, 3 solitaires offerts par Bernadette pour ce numéro 14. Ensuite, on fera le numéro 15. Donc, c'est parti. Allons-y. Allons-y. Solitaire, numéro 98. Le 8, le 11 et le 30. Onze, trente, on n'a rien. Faut battre combien? 22, allez, faut faire mieux que 22. Et on fait 17. Premier ticket, perdant. Deuxième ticket, 95. Ticket 95, allons-y, allons-y, allons-y. Le 19, le 37 et le 8. Dix-neuf, trente-sept et huit. Encore le 8, mais il veut pas venir. Allez, juste avant, on l'avait aussi, mais non. 19, 37, 8. Ah, rien du tout. 21 à battre. Ah, ça commence par 1, donc c'est foutu, les amis, c'est foutu. Donc, ticket 95, perdant. Eh ben, dis donc, on va faire un full bredouille ou quoi aujourd'hui? Ticket 101. Allez, c'est peut-être le bon. C'est peut-être le bon. On le voit, le 10? Ah oui, si, on le voit, ça brille pas après, une fois que c'est gratté, donc c'est pas mal. Le 2, le 7, le 10. Ouh, là, je sens qu'il est gagnant, celui-là. Je le sens, 2, 7, 10, ça me parle. Ou pas. Deux, sept, dix. Ah bah ça me parle, ça a bon me parler, ça tombe pas en tout cas. Deux, sept, dix. Rien du tout, les amis. Dernière chance de pas être bredouille. Je sens que les 25 000 euros, c'est pas prêt d'être pour nous. Je le sens. Ah, 5 quand même. C'est faisable. S'il y a moins de 5, vous allez rigoler encore. Comme le coup, il y avait marqué 2 grammes sur le millionnaire et j'ai eu 1 gramme. Allez. Ah, quand même, ça gagne. Ça gagne. On n'est déjà pas bredouille. Ça va. C'est déjà une bonne chose. On va découvrir le gain de suite. Bon, ça va pas très loin déjà.
Et c'est 2 euros. Bon, on récupère 2 euros sur les 3 tickets. C'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. C'est ce qu'on dit habituellement. Et on va ouvrir cette papillote numéro 15 pour terminer cette session du 15 décembre. Ah ben, on voit tout de suite. Voilà, il n'y a pas de suspense, les amis. Ça y est, on le voit. Un cash ou deux. Et non. Mais quelle radine, Bernadette, elle me met qu'un seul cash. C'est quoi ce bazar? Elle est en train de me regarder de travers. Elle se dit, tu vois, la prochaine fois, je vais te faire croire que je t'ai mis quelque chose dedans. T'auras rien du tout. Et là, tu te plaindras pas. Alors, c'est parti. Il va peut-être nous rapporter gros, qui sait? Qui sait, les amis? Qui sait? Alors, on y va, les amis. C'est parti. 11. Aïe, aïe, aïe. Quand je vois le 11 comme ça apparaître. Ah, mais il y a le 15. Ça annule le 11. Alors, 8, 11, 15, 16, 32. 8, 11, 15, 16, 32. 13. 3. 33. 21. 30. 40. 31. 38. 15, 16, 8, non. 11, 32, non. On aura fait une grosse session à 2 euros, les amis, ou pas? Qui sait? Peut-être que j'ai gardé le dernier numéro qui sera le bon. Peut-être celui à 500 000, qui sait? Eh ben non, hein. On y est loin. Il n'y avait même pas 500 000, il y avait 5, de toute manière. Bon, ben c'est ben rien, on n'a que 2 euros sur le solitaire. On n'a que 2 euros sur le solitaire, les amis. Donc, c'est mieux que rien. Mais c'est pas mieux que tout le reste. Ça aurait pu être 4, 6, 8, 10, 12, 25 000, 500 000. Je sais pas combien. Enfin, bref, voilà. 500 000 sur le cash beige aussi. 1 million sur le millionnaire. Mais non. On termine avec 2 euros. Bon, bah, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu en même temps. C'est le jeu, les amis. Bon, bah, tant pis. C'est comme ça. En tout cas, on a passé un bon petit moment. J'espère que ça vous a plu. Ça y est, je suis à jour sur les tickets de l'avant. Je me suis mis à jour, j'ai oublié le 14, je l'ai gratté aujourd'hui. Donc, on va attendre demain pour gratter le numéro 16. Et puis voir éventuellement, j'ai encore des tickets belges sous la main. Donc, on va voir ce qu'on se fait comme grattage. On va faire pareil, certainement, même valeur de tickets. Mais sur plusieurs tickets, il y avait le fameux cash à 2 et le cash à 1 que j'ai. Et effectivement, comme vous m'avez dit en commentaire, et Pierre me l'avait stipulé, il existe des cashs à 7 euros et à 13 euros. Donc, un coup, peut-être que je ferai un spécial cash Belgique avec tous les cashs. Et je crois qu'il y en a un. Non, il n'y en a pas un à 20. Si, je crois qu'il y en a un à 20, non? Je sais plus ce que m'avait dit Pierre. En tout cas, il y a 1, il y a 2, il y a 5, il y a 10. Il y a 7, il y a 10, il y a 13. Et je crois qu'il y a 20. Donc, c'est énorme. Donc, si on se fait une session comme ça, c'est quand même une session assez chère. Donc, on verra ça à l'avenir. Mais n'hésitez pas à me faire part de ce que vous avez pensé aussi de ce grattage. Est-ce que des suggestions, comme d'habitude? Promis, bientôt du bingo live. Ça fait un moment que j'ai pas fait de grattage en ligne. Donc, je vous ferai un grattage en ligne et du bingo live aussi. Deux sessions différentes. Prochainement, j'espère très, très rapidement. Je vais voir ça. Je vais y réfléchir pour quand je vous monte cette petite vidéo. Très bonne journée à vous. Très bonne soirée, très bonne nuit. Je vois que Manchester, ils perdent contre Everton, que... Il y avait quoi encore l'autre match? Que Tottenham, je ne les voyais pas du tout gagner à Wolverhampton. Je voyais un Wen, et ben il gagnait aussi. Par contre, je ne suis pas allé voir. Ça doit être la mi-temps, là. Je ne vois pas ce qu'il y a. Ou c'est même démarré déjà la deuxième mi-temps. Je vais aller regarder ce qui se passe parce que voilà, j'ai encore perdu 20 euros sur les paris sportifs, les amis. Merci de m'avoir suivi. Très bonne journée, très bonne soirée, très bonne nuit. N'hésitez pas à soutenir la chaîne sur YouTube. Il y a le lien en description ou sur PayPal. Toflawin!